Bonjour tout le monde, c'est Eti. Aujourd'hui on se retrouve pour la découverte de Center Station Simulator. Je suis content, j'ai réussi à avoir une clé, donc merci aux devs. Et on va pouvoir y jouer. Et comme vous savez, je suis un grand fan de simulation. De gérance, tout ça. Du coup je vais être servi parce que en fait... Oula, c'est fort non? D'accord. La porte, j'ai fait le début un petit peu, juste pour voir si les touches étaient bonnes et tout. Alors, hop. Mais faut que je m'habitue, honnêtement. Donc nous avons pour mon petit-fils. Mon petit-fils, si tu reçois cette lettre, c'est qu'il est temps pour moi de prendre ma retraite. Tu as toujours été très inventif et créatif. Ton ingéniosité pour fabriquer des machines futuristes t'aideront dans ton futur. Je te cède mon plus grand projet, un supermarché nommé Center Station, se trouvant en plein milieu du désert. Tu devras produire et fabriquer tout ce que tu veux vendre. Les camions de livraison ne sont pas autorisés à traverser ce désert, pourtant des véhicules y passent régulièrement. Je te laisserai découvrir les secrets de ce bâtiment, grand-père qui t'aime fort. Je te joins les documents officiels et les clés. Alors moi il y a un truc... certificat de propriété Center Station. Dommage qu'on peut pas l'accrocher, j'aimerais bien l'accrocher. Ah la table! Ah j'adore ce genre de table. J'en avais une, comme ça. Où en fait c'est de la résine au milieu, puis il y avait une sorte de rivière. Mais une fosse hein. Elle était trop belle avec un vieux bois. Enfin une vieille... un arbre quoi. Et du coup les clés, et voilà. Alors ce que je comprends pas en fait c'est que... En fait les clés... en fait je les laisse là. Parce que j'en ai pas besoin. C'est dommage, j'en ai pas d'inventaire, je crois. Je ferme la porte parce qu'il y a des voleurs. En fait, je sais pas du tout. On va appeler l'ascenseur. Mais je suis très content d'y jouer. Et vous savez, comme j'aime les jeux en early access. Et à chaque fois, je suis descendu. Et à quoi si on monte? Ok, on peut que descendre. Et j'adore en fait montrer l'avancement des jeux quand ils sont en early access, leur ajout, leur mage, etc. pour aboutir à leur jeu final, quoi, la version finale. Et j'adore en fait voir tous les changements et tout. D'ailleurs, nous avons la roadmap et il y a plein de trucs que j'ai envie. Il y a ça là, je veux savoir c'est quoi là, ce verger là, Moi, vous me mettez un verger là, je suis heureux. Là, le supermarché, ça doit être pour les conserves. Ça, c'est pour la déco, je pense. Ça, c'est pour les musiques. Oh, la station essence. Le lave-auto, ok. Ok, alors après là, faut comprendre, hein. Là je comprends pas, je sais pas, ça je sais pas, peut-être qu'on va voir Cyberpunk qui va arriver, des vendeurs ambulants peut-être, des vêtements, un casino, ah de l'élevage, attends je rêve ou on a un cochon vache là, on dirait un cochon vache là, et là on dirait un mouton vache. La mécanique, peut-être pouvoir acheter un appart ou je sais pas quoi. Et la salle gaming, ça je ne sais pas trop ce que c'est. Porte automatique, ouverture automatique avec le courant allumé. Ouverture automatique avec le courant allumé. Utilisez la touche E pour ouvrir manuellement la porte. Alors, on va suivre le tuto pour l'instant ensemble. Parce que j'ai pas envie de faire planter le jeu au cas où. Procurez-vous un kit de panneaux solaires. Hop. Utilisez la touche. Dirigez-vous vers l'arrière du bâtiment. Posez votre box au sol en utilisant la touche G. Équipez-vous d'un seau d'asphalte et installez-le au sol. Hop. 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 Ok. Alors, tac. Tac, 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 tac. Tac et tac. Vos panneaux solaires peuvent être sales. Utilisez la touche 1 pour équiper votre balai. Voilà. Descendez dans votre souterrain. Utilisez la touche B pour ouvrir le menu construction. Construisez un petit planteur. Alors ça, j'adore pouvoir... On peut nettoyer ça? Ah oui, cool. Le souterrain, il est là. Et on va donc utiliser... Alors, petit planteur, ça doit être là, voilà, c'est là.
On va faire le verger là. Utiliser la boîte de kit phénix de plantation. Ah, j'ai fait une boulette. Viens là. Voilà, c'est mieux comme ça. Hop, 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 hop. Alors. Donc là, utilise la touche E sur l'écran pour démarrer le puits. Démarrer. Le courant s'est éteint, vérifiez si vos panneaux solaires sont sales, nettoyez vos panneaux solaires, augmente votre... ok. Alors on va nettoyer ça, mais je pense qu'on va... Ah ouais, il est sale là. Je pense qu'on va en mettre un autre. Vu qu'on en a deux encore en stock, on va en mettre un. Alors on va allumer le courant, mais on en prend un. On peut brancher alors que le courant est allumé? C'est pas dangereux? Je veux pas mourir, hein. Pas déjà, en tout cas. Alors, tac, 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 et tac. On prend le petit seau. S'allumer, ça, du coup. Démarrer. Et c'est rempli. Dirigez-vous vers votre planteur, arrosez-le. Terre marron clair égale besoin d'eau, la croissance de la plante est en pause. Ok. Et en bas à droite, on peut voir en fait l'électricité, l'eau et le carburant sûrement. Alors moi, ce que je me pose comme question, c'est est-ce que on va avoir des aides plus tard, genre des employés pour nous aider à faire tout ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire, je trouve. Donc, ce serait cool qu'on puisse ordonner à des gens de faire telle ou telle chose. Alors, dirigez-vous vers l'arrière du supermarché. Rejoignez la mine, utilisez la touche 3 pour sortir la pioche, utilisez le clic gauche 2 fois pour extraire une pièce, une pierre, répétez l'opération 10 fois. Alors, hop, alors je sais, l'animation elle est pas folle. Ça on est beaucoup, on est tous d'accord. Et c'est un peu lent. Il nous faut 10 pierres. Je crois pas qu'on en a 10 là. Je vais vous dire combien on en a. Parce que je vois de l'argile. Donc, tout à l'heure, pendant la partie test, je suis allé jusqu'au fer. Et pour trouver les 3 de fer, j'ai galéré tellement. Alors, ça c'est de la pierre qu'on va mettre dans le petit coffre. Ça aussi. Donc on a 3, 4, 5, 6, 7. Et 8. Donc ça c'est de l'argile, de la pierre, de l'argile et de la pierre. Mince. Ah! Voilà. Descendez dans votre souterrain, utilisez la touche B. On va construire une fonderie. On va faire tout un espace de... Comment ça s'appelle de machines tout au fond. Alors, la fonderie... donc, quoi, c'est ça? Oui, c'est ça. On la tourne. On va faire ça proprement. Comme ça, et tac, on va mettre ça là, dirigez-vous vers du supermarché. Ok, donc là, c'est à peu près à là où je me suis arrêté et j'ai oublié mon coffre.
Il pratique ce petit coffre, mais on l'oublie vite. Hein. On l'oublie vite. Alors, donc le fer, on en trouve là. C'est quoi ça? Ok, du bleu. Ça, c'est pas du fer. Je crois que ça, c'est du fer. Yes. Donc, il m'en faut encore deux. Du charbon. Non, je suis chanceux à ce point-là, là. Enfin, tout à l'heure, je vous dis, il y avait une montagne de minéraux. Non. Ah, ok. Le minerai de fer dans la main, utilise la touche E sur la fonderie. Ok. Ok. Alors, la fonderie là-bas. Alors, je suis pas doué en fait pour les touches en ce moment là. Allez vers le planteur. Ok. Et donc là, en fait, je me suis arrêté là. Utiliser la touche E pour récolter l'arbre. Ah, je suis bloqué. Ah, je peux pas l'utiliser. Ah mince. Ah, j'ai eu peur. Hop. Et on va patienter. Alors je sais pas, voilà, là j'ai arrêté. Je sais pas combien de temps on doit patienter. Du coup, moi je vous propose c'est qu'on fasse deux planteurs parce que je pense qu'on va avoir besoin de pas mal de poids. Donc je pense que ça. Oh! Attendez, on va le mettre là parce que je viens de voir une graine. Je peux pas la mettre là? Je dois décaler beaucoup. Ok. Alors, tac, 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 et tac. Faut qu'on aille chercher de l'eau parce que j'en ai plus. Ça y est, ça y est. D'aller chercher de l'eau, de faire les tout ça, là, ça y est, c'est bon, je suis en transe. Je kiffe. Oh, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Hop. Et du coup, on peut planter deux arbres, non? Un là. Et un là. Moi, je pense que je vais en faire un troisième. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà, comme ça, si on en a besoin, j'en aurai. Je suis sûr que je vais pas en avoir assez. Tac. La petite graine qui va avec. Ok. Et le fer est toujours pas fini. Ça prend combien de temps? Patienter, utiliser la touche E. Ah, je l'ai! Utiliser la touche B pour ouvrir le menu de construction. Construire un atelier. Ça veut pas. Ah d'accord, faut rien dans les mains. Alors, où est-ce qu'il y a un atelier? Atelier. Deux lingots de fer. Ah oui, ok. On va le mettre là. C'est droit ou pas? Pourquoi je peux pas le mettre comme ça? Alors, combien de lingots de fer, je crois? Alors, hop. Tac, tac. D'accord, là c'est rouge, il faut attendre que ça soit ok. Est-ce qu'on peut voir? Il y a moyen de voir combien de... Non, il n'y a pas moyen de voir combien il nous manque. Donc, 6 bûches de bois et un lingot de fer qui nous manque. Oh, je voulais sauvegarder, d'accord, ça fait ça, ok. Par contre, j'aimerais bien pouvoir appuyer sur échappe simplement.
pour quitter le calepin là. C'est quoi ça, c'est nous? L'ascenseur. Donc ça pousse. Ah, il n'y a plus de bûches. Il n'y a plus de bûches, donc quoi, ouais, en fait, faut en construire beaucoup plus de ce truc-là. Ah. On va en construire d'autres. Tac. Enfin, c'est pareil, je me trompe dans les touches. Chercher de l'eau. Ah, je me trompe à chaque fois. Enfin, je vais le mettre là. Là, ils sont pas récoltables là encore. J'ai pas l'impression. Ok, bon, on va chercher de l'eau, on va tout prendre. L'électricité, on est bon. T'as eu pas récoltable là? Non, bon. Qu'il y a moyen de voir quand c'est récoltable ou pas? Bah là, ok. Donc cette taille-là, c'est récoltable, mais faut savoir viser, en fait. Ok. Ça fond toujours. Du coup, ça, je le replante. Ah ouais, non, mais faut que j'aille chercher de l'eau, du coup. Ok, on va faire beaucoup d'aller-retour, je pense. Mais moi, ça me va. Hop, attends. Parce que. Non, c'est clair encore. Enfin, c'est. Ouais, non, c'est bon. Hop. Toujours pas. Ça c'est bon, ça c'est cool parce qu'ils mettent des graines encore à chaque fois. Je sais pas si je plante le prochain. Au pire, c'est pas bien grave parce qu'en fait. Ah, j'en ai marre de me tromper de touche. Parce que le truc, en fait, à chaque fin de récolte, le bac est vide, donc on pourra replanter autre chose. Donc moi je trouve que c'est bon en fait. Est-ce qu'il n'y aurait pas des objets aussi à récupérer au sol? Je vois plein de tonneaux de partout là. Genre ça là. Pour en faire quelque chose. Oh! C'est quoi ça? Bambou. Je l'ai planté là?
Hop. On va faire fondre ça. On va aller récolter du fer parce que je pense qu'on peut faire que du fer en ce moment. Donc on va aller récolter. Ah, on va nettoyer les panneaux solaires. Ce serait pas mal ça, non? On sait jamais. Je sais pas si je dois avoir une amélioration sur le. Sur le. Comment ça s'appelle? Sur l'éclair ou pas? En fait, je veux savoir c'est quoi ça. Du cobalt. Cobalt. C'est quoi ça? De l'argent, ok. Ah, la touche, bordel. Et ça? Du cuivre, ok. De l'argent, cuivre, charbon. Ah si, regardez, l'électricité a augmenté, non? Ok, de l'eau. Ah, la touche. Ok, on va voir si c'est fini. Si je peux mettre des bûches ou pas. C'est quoi ça? Hop. Allez là. Je sais qu'il est bon normalement lui. Pourquoi j'arrive pas à le prendre? C'est pas la bonne taille? Ah voilà, là j'ai réussi à le prendre. On va continuer à le faire fondre quand même, le truc là. Ah, du coup, est-ce que je pourrais faire fondre de l'argent ou de l'or? Hop. Ah, il y en a deux. Ah bon? Du bambou. C'est bizarre que ça soit. Je vais aller chercher un truc d'or. J'ai envie de le fondre pour voir si ça marche. Et après, on va essayer. Ah, comment ça s'appelle? On va voir si les bûches, je peux les prendre. Est-ce que ça marche? Ah oui, ça marche. Bon, on va voir. Hein. Alors du coup, là, les bûches, normalement, ça doit être bon, là. Oui, ok. Voilà. Fabriquer la lame rotative. C'est quoi une lame rotative? Il y a tellement de choses, trop cool. Alors ça c'est quoi? Câble électrique, moteur, carte. Lame rotative. Lingot de fer x2. Alors je veux fabriquer ça, comment je fais? Genre je prends le lingot de fer et je le mets là. Ok, donc il faudra un autre lingot de fer. On va aller chercher du fer.
Ça va être beaucoup beaucoup de farm, je pense. Hein. Mais moi, ça me va. Peut-être faire deux fonderies du coup. C'est du fer, ça, non? Flûte de flûte de flûte de flûte. Ah, je suis désolé, mais oui, c'est du fer. Les touches, j'ai trop du mal en fait. C'est du fer? Non, je crois pas. Ah si. Le cobalt. Pas ce que je vais en faire, mais hop. Alors j'ai un lingot d'or. Voilà. Vous êtes au courant. Ma richesse est là. Hop. Ah, je peux pas prendre. Là, je peux pas prendre. Le bambou. Ah! Je sais pas quoi ça va servir, donc. Hop. Ok. Tu vas où, là? Tu vas où, là? Reste. J'arrive pas à le prendre. Ah, voilà. Je peux le mettre là, ça va cramer ou pas? Ça va pas cramer. Ok, c'est bon. Mais allez, pourquoi je peux pas le prendre? Il doit y avoir un truc que j'ai pas encore compris. Tac. Ah, je pense qu'il me faut une autre fonderie, hein. Je vais en mettre une. Et j'irai faire de la pierre après. C'est bon là? Toujours pas. Je suis pas fou, hein, j'appuie sur E de partout. Attendez. Observons-les. Est-ce qu'ils ont quelque chose de différent comparé aux autres? Non. Est-ce que ça grandit encore? J'ai pas l'impression. Et là, je peux le prendre. Ok, rien compris. Hop, allez, vas-y. Tac, tac, tac. Et nous, on va ramasser de la pierre. En attendant que le fer se fasse. Alors, hop. Ah, c'est parti. Il en faut 10, hein. 2. Et 10, parfait. On va mettre tout ça dans notre petit coffre. Parfait. J'allais encore faire clic 3, quoi. Ok, ça je prends.
Utilisez la touche B pour ouvrir le menu de construction. Construisez une petite scie. Ajoutez la lame rotative des bûches de bois et le bloc principal. Alors B, une petite scie. 4 bûches de bois, un bloc principal. C'est quoi un bloc principal? On va la faire là. Quoi? Un bloc principal? Ok. Construire une scie, ajouter la lame rotative, les bûches de bois et le bloc principal. C'est quoi un bloc principal? C'est ça? 8 lingots de fer! Ah oui! Bah écoutez, c'est parti, hein. Plus les bûches et tout. Hop. On va replanter. Au moins, il n'y a pas besoin de 36 000 eaux. Ça, c'est plutôt cool. Alors, je sais pas à quoi va me servir le bambou, mais pour l'instant j'en fais. On verra après. Ouais. Alors attendez. C'est ça. Donc là, ici, 4 bûches. Donc ça c'est fait. Les bûches. J'en ai mis 3 ou 4? Je sais plus. On verra. Et il manque le bloc principal qui est en train de se faire, donc il va falloir que je forme le fer à fond. Ok. Ok. Bah écoutez, nous on va se laisser dans la mine. Je continuerai en fait l'aventure au fur et à mesure. Pas d'horaire précis. Dès que j'ai le temps, j'ai envie de vous dire. Et voilà, j'ai envie de continuer ce jeu, j'ai envie de voir jusqu'où on peut aller, parce qu'il me tente vraiment beaucoup. Bref, moi je vais vous laisser là, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît, et puis nous on se retrouve très bientôt. Ciao ciao.